L'émissaire de Shiva. Viens-tu mendier notre pardon pour ta trahison? Tout ce temps, j'ai suivi vos ordres. J'ai tué pour vous. Tout ça pour protéger ces pauvres enfants que vous aviez capturés comme moi. Et comment me l'avez-vous rendu? Vous les avez enchaînés et vous les avez tous sacrifiés! Mordure. Leurs âmes étaient souillées par la malédiction de l'éther. Je n'ai fait que les libérer de cette corruption. Cette expiation, c'est ce que le cristal désire. Repends-toi, abomination! Qu'un monstre comme toi ose pénétrer dans ce sanctuaire, c'est déjà un crime passable de mort. C'est vrai. Je suis un monstre. Et ma conscience est tachée à jamais. Mais pas par l'éther. Par le mal que vous propagez, parce que j'ai abandonné ce qu'il y a de bon en moi pour vous obéir, au lieu de vous résister! Voici ma pénitence. Désormais, je ne suis plus votre monstre. Et je ne vous permettrai pas d'en créer un autre. Alors comme ça, la bête ose montrer les dents à son maître? Déchaîne-toi, l'émissaire. Viens, comporte-toi tel que tu es. Un monstre! Et qu'êtes-vous donc, Imran? J'étais forcée de tuer. Vous, vous le faites par plaisir. Mais c'est fini. Je vais briser la roue du destin. À votre tour de vous prosterner à mes pieds. Tuez-les.
Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Je vais faire vite.
Jill! Il faut qu'on en finisse, Clive. Tu viens de faire ? Et oui, mon père. Et le monstre est mort ! Maintenant, je suis une renégate ! Que la bénédiction du cristal meure avec vous. C'est fini. Enfin. Et Shiva ne t'a pas fait de cadeau. Ça, non. Si j'avais pu me transformer. Je ne pense pas avoir payé trop cher. Il était de mon devoir de me racheter. Maintenant, je peux me battre à tes côtés sans remords ni regrets. Clive, regarde. C'est la même fresque qu'au Fort Phoenix. Bon sang. Pas le temps de traîner. Partons d'ici.